Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver une fois encore pour parler de Hogwarts Legacy, même si cette vidéo ne va pas forcément être très gaie et très joyeuse, on ne vous le cache pas. Alors, il faut savoir que depuis la publication du gameplay, et ça s'est poursuivi toute la fin de semaine et ce week-end, il y a eu un certain nombre de personnes, de youtubeurs et de grands amateurs de réseaux sociaux qui se sont permis de faire des appels de plus en plus nombreux au boycott pur et simple de Hogwarts Legacy. Vous le savez, sur cette chaîne, on vous a déjà parlé des multiples problématiques qui s'étaient fait jour finalement avec toute la crise absolument stupide autour des propos de J.K. Rowling qu'on juge être ceci, être cela, etc. Et nous, on vous a toujours dit de manière très claire qu'on continuerait à débunker entre guillemets toutes ces informations et toutes finalement ces menaces dont fait l'objet J.K. Rowling, mais également sa famille, et c'est aussi là quelque chose d'extrêmement grave. Et on vous avait promis également à chaque fois de vous donner notre avis de manière sincère, de manière posée, parce qu'on vous le doit, et aussi parce qu'on le doit, entre guillemets, à une certaine forme d'exigence qu'on se met aussi dans la conception de cette chaîne, qui est basée, comme vous le savez, sur l'univers de J.K. Rowling, et que donc finalement, ne pas en parler, ne pas prendre la défense de J.K. Rowling, quelque part, ce serait un petit peu trahir tout le travail que l'on fait au quotidien pour démontrer que son œuvre est une œuvre qui a placé la question de la tolérance, du respect, la question de l'amour au centre véritablement de toutes les préoccupations et de toutes les intrigues, que ce soit de Harry Potter ou que ce soit évidemment de sa nouvelle saga cinématographique sur les animaux fantastiques. La question finalement aujourd'hui de toute nouvelle sortie d'une création de J.K. Rowling ou liée à l'univers de J.K. Rowling prend toujours des proportions qui sont absolument démentielles parce qu'elles naissent en réalité sur les réseaux sociaux et ces réseaux sociaux qui pourtant ne sont qu'une toute petite caisse finalement de résonance et ils représentent en fait une infime partie microscopique des fans de Harry Potter, de J.K. Rowling ou du Wizarding World prend des proportions qui vont jusque dans la presse. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est très inquiétant parce qu'en réalité, quand on voit peut-être, allez, 5 000, 10 000 personnes qui font des tweets, etc., contre J.K. Rowling, c'est 5 ou 10 000 personnes sur des dizaines de millions qui finalement attendent et le jeu et attendent les nouvelles créations de J.K. Rowling, mais qui n'osent pas prendre la parole parce que dès qu'on prend la parole, la plupart du temps, c'est pour se faire bâcher si on décide de défendre J.K. Rowling. Nous, on vous a toujours dit, par honnêteté, que de toute façon, on serait toujours du côté de J.K. Rowling parce que déjà, un, c'est pourquoi elle ne nous avait pas choqués, parce qu'elle réaffirmait une vérité biologique sans aller plus loin dans son propos, et ensuite, on a voulu lui faire dire à peu près tout et n'importe quoi. Elle a écrit un essai d'une quinzaine de pages qui est très clair en la matière et qui ne nous pose évidemment absolument aucune question. Maintenant, après, on est dans un monde où aujourd'hui on ne peut plus rien dire, c'est comme ça, faut le savoir. Mais nous, on a fait le choix, différemment d'autres youtubeurs, de vous dire entre guillemets notre manière de voir les choses et surtout de ne pas recourir à ce système très facile d'attaquer J.K. Rowling en permanence pour faire des vues, pour faire du clic et pour s'adjoindre au final les communautés qui aujourd'hui attaquent donc l'auteur de Harry Potter. Tout ça est quand même une logique qui est quand même assez malsaine parce que quand on est youtubeur et notamment quand on est youtubeur sur la question de Harry Potter, à un moment donné, il faut être cohérent. Soit on veut lutter contre J.K. Rowling, on veut lutter contre ses idées, etc. Ce qui peut s'entendre. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Nous, on est ouvert à tout. Mais à ce moment-là, il faut arrêter de se faire de l'argent et de participer à des événements ou de recourir à des partenariats sur des événements qui sont, entre guillemets, engendrés par les créations de J.K. Rowling, si on veut être vraiment dans la cohérence. Nous, voilà, notre chaîne, vous le savez, est monétisée, on l'a dit à plusieurs reprises. Nous percevons donc des revenus, sur des créations qui ont été celles de J.K. Rowling et sur lesquelles nous dissertons de manière abondante. Et donc, forcément, à un moment donné, il faut aussi qu'on ait cette honnêteté vis-à-vis de vous. Alors, tout le week-end et toute la fin de semaine dernière, c'était la question de savoir si oui ou non il fallait boycotter Hogwarts Legacy. Beaucoup de youtubeurs, pas spécifiquement Harry Potter, hein, d'ailleurs, même des youtubeurs gamers hein, qui sont très suivis, ont appelé effectivement au boycott de ce jeu parce que ce serait une œuvre qui ne ferait pas, entre guillemets, la promotion finalement la représentation qu'on se fait aujourd'hui d'une société qui serait multiethnique, multiculturelle, etc., et que les premières images du jeu montreraient des formes d'antisémitisme, notamment montreraient également finalement une société qui resterait quand même éthiquement pas très colorée, etc., et que donc du coup, voilà, en plus comme c'était créé par une transphobe ou qu'est-ce, et évidemment il faut boycotter le jeu. Alors nous on a voulu revenir un petit peu là-dessus, parce qu'à un moment donné, si vous voulez, enfin, faut arrêter de vivre dans un monde. Le monde, malheureusement, n'est pas, entre guillemets, un monde de réseaux sociaux. Le monde, c'est un monde réel dans lequel il y a une histoire, dans lequel il y a un contexte aussi. Alors, il faut savoir que toutes les personnes qui, aujourd'hui, veulent porter atteinte
à J.K. Rowling et à la Warner Bros. Par conséquent, des appels au boycott avec évidemment les secrets de Dumbledore, avec Hogwarts Legacy, etc. sont des gens qui se proclament être fans et qui pourtant font tout pour que finalement toutes ces franchises s'arrêtent du jour au lendemain. Parce qu'on va se parler très honnêtement, si Les Secrets de Dumbledore est un échec, si Hogwarts Legacy est un échec, évidemment il n'y aura pas de Secrets de Dumbledore 4, pas de Secrets de Dumbledore 5, il n'y aura peut-être même pas de série télé, il n'y aura peut-être même pas de nouveaux films entre guillemets en gestation pendant des années, et Hogwarts Legacy, on aura un jeu qui nous sera livré, et puis il n'y aura pas de contenu derrière, il n'y aura pas de contenu additionnel, il n'y aura peut-être pas d'autres opus, etc. On va rester sur quelque chose qui va se refermer, être un one-shot. Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on est fan de Harry Potter, et à ce moment-là, on essaie quand même un minimum de croire dans les projets qu'on nous propose, soit on n'y croit pas. Alors, on va essayer de débunker un petit peu toutes les conneries qu'on a pu voir, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, pardon mais enfin, de ce terme, mais ça nous énerve véritablement, et à un moment donné, il est bon de dire les choses. Alors, on nous dit, ça y est, elle nous ressort les gobelins, et c'est encore le côté antisémite de J.K. Rowling qui prend le dessus. Alors, il est vrai que, effectivement, dans le gameplay de Hogwarts Legacy, on a découvert que, effectivement, on serait dans une période très troublée entre les gobelins et le monde des sorciers. Bon, on a envie de dire, ça, c'est pas nouveau, ça a toujours été le cas, et on en parlait déjà beaucoup dans Harry Potter, et notamment dans les cours du professeur Binns. Mais on met entre parenthèses ça pour l'instant. Et en fait, toute cette polémique, elle renvoie à une polémique qui a eu lieu en début d'année, sur laquelle nous avons d'ailleurs fait une vidéo, où effectivement, un journaliste s'était permis de dire que la représentation qui était celle des gobelins dans l'œuvre de Harry Potter faisait penser aux juifs, etc. Enfin, il est parti dans un espèce de délire complet et total qui a enflammé, évidemment, comme d'habitude, les réseaux sociaux, qui sont toujours prompts à trouver des choses à reprocher à J.K. Rowling, alors que J.K. Rowling, évidemment, n'a fait que adopter finalement une créature mythique et mythologique presque, que l'on retrouve dans absolument toutes les œuvres de fantasy, qu'on retrouve dans les histoires qui datent du Moyen-Âge, qu'on retrouve dans Le Seigneur des Anneaux, qu'on va retrouver dans des quantités pas possibles de livres, de films, etc., où il y a toujours une représentation qui, peut aimer, éventuellement être modifié à la marge, mais qui semble concrètement être toujours à peu près la même. C'est comme un centaure, on ne va pas renouveler, entre guillemets, l'apparence d'un centaure. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter. Et ce journaliste a donc dit que, effectivement, J.K. Rowling aurait associé les gobelins aux juifs, etc. Enfin, là, on touchait le fond, parce qu'on a un journaliste là qui, clairement, un, ne sait pas du tout de quoi il parle, deux, n'a jamais vraisemblablement lu ou vu ne serait-ce qu'un seul livre de Harry Potter ou même ne serait-ce qu'un seul livre ou film des Animaux Fantastiques. Et troisièmement, c'est quelqu'un qui a, lui, pour le coup, un sacré problème avec sa représentation, effectivement, des personnes qui suivent la religion judaïque. Enfin, à un moment donné, faut arrêter. J.K. Rowling n'a jamais eu de déclaration antisémite. Bien au contraire, elle est un soutien assez clairement prononcé pour la cause d'Israël. Donc, à un moment donné, là, on marche vraiment sur la tête. Et donc, en fait, quand le gameplay de Hogwarts Legacy est sorti et qu'on a vu donc ces images comme quoi, effectivement, le contexte historique serait, entre guillemets, une révolte des gobelins, on a envie de dire que ce n'est pas la première révolte des gobelins qu'il y a dans l'histoire de Harry Potter. Les cours du professeur Binns que l'on découvre dans les romans de Harry Potter, c'est moins vrai, évidemment, dans les films, puisque ces passages ont été passés sous silence, mais sont légion, et c'est d'ailleurs tout un tas aussi d'histoires qui ont été construites autour de la relation entre les gobelins et les sorciers, notamment par exemple pour la question de l'épée de Godric Gryffondor, qui est d'origine gobelin, et les gobelins qui estiment que cette épée leur appartient, alors que effectivement c'est une épée qui a été entre guillemets achetée par Godric Gryffondor, même s'il y a eu beaucoup d'autres difficultés à ce sujet, et on vous avait fait toute une vidéo d'ailleurs sur l'histoire de l'épée de Gryffondor que vous pouvez retrouver dans notre playlist sur les objets magiques. Donc c'est pas une nouveauté, c'est même quelque chose d'assez classique et d'assez habituel. Il y a toujours eu des difficultés entre d'un côté les gobelins et d'un côté les sorciers. On va pas vous faire une vidéo sur le sujet là en l'état actuel parce que c'est pas le thème de cette vidéo, mais on peut citer notamment la problématique du fait que les gobelins ne veulent pas être sous les sorciers et qu'ils veulent avoir accès, pourquoi pas, à des baguettes magiques, etc. Ce qui, normalement, est interdit à certaines époques, en tout cas, du droit de la magie dans le cadre du ministère de la magie britannique. Bref, on s'arrête là, mais le fait est que c'est quelque chose, si vous voulez, qui aujourd'hui nous dépasse complètement quand on peut lire, effectivement, que là-dessus, ça va être la chasse aux juifs organisée dans Hogwarts Legacy. Il y a quand même des youtubeurs qui ont osé prononcer ce mot absolument atroce, et qui nous renvoient en plus à des pages de notre histoire, mais qui sont absolument détestables. Enfin, à un moment donné, il faut quand même juste arrêter. J.K. Rowling n'a absolument rien d'antisémite. Tout le contexte de Harry Potter est basé, effectivement, et on vous l'expliquait déjà, sur la question de l'opposition qu'il y a eu entre l'Allemagne nazie et les Juifs.
Les lois de Nuremberg, c'est ni plus ni moins les lois que l'on retrouve dans le ministère tel qu'il est dévoyé quand Voldemort en prend le contrôle dans Harry Potter et les Reliques de la Mort via l'intermédiaire de Pius Technis, le ministre de la magie qui est en réalité une véritable marionnette. Donc il faut quand même juste à un moment donné arrêter le délire. On le voit bien en plus avec les Animaux Fantastiques, on voit effectivement cette montée d'un populisme exacerbé qui veut déclarer la guerre, comme ça a été le cas évidemment dans les années 30 en Allemagne. Donc on voit parfaitement que, si vous voulez, J.K. Rowling dénonce absolument tout ça dans toute son œuvre. Il suffit juste de la lire ou même de regarder un film, de poser son cerveau 3 secondes. Et surtout d'arrêter de dire des conneries juste pour faire du buzz et faire du clic, parce qu'en réalité le vrai problème il est là. Alors ensuite on nous dit, ah bah oui, mais ce jeu effectivement ne semble pas dans le gameplay mettre en avant des ethnies tout à fait différentes. Alors il faut se souvenir juste qu'au contexte entre guillemets jeu vidéo, c'est un contexte historique. On est en 1890. En 1890, les flux de mondialisation, ils n'ont pas encore totalement débuté. Alors il y en a eu bien évidemment. On voit d'ailleurs, même dans le gameplay, qu'ils ont intégré des personnages, même notre propre personnage, on peut le dessiner, ils ont intégré des personnages avec des ethnies différentes. On voit notamment le professeur d'enchantement qui a quand même un accent franchement très très indien. Bon, on voit qu'ils ont quand même tenté effectivement d'élargir un petit peu le spectre. Mais après que les élèves, entre guillemets, soient d'une majorité blanche dans une école en Angleterre, en tout cas en Écosse, dans les années 1890, enfin très sincèrement, on voit absolument pas ce qu'il y a de choquant, c'est juste un contexte. Un contexte, c'est voilà, c'est comme ça. On n'est pas dans une école en Afrique, on n'est pas dans une école au Japon, on n'est pas dans une école en Amérique du Sud, ou on n'est pas dans une école, entre guillemets, à Dumsang ou à Beauxbatons. Là, en l'occurrence, on est à Poudlard. Dans les années 1890, bon, on peut pas à un moment donné réinventer l'eau chaude en mettant différents types de personnages, etc. Et ça, cette critique, si vous voulez, à un moment donné, elle va finir par créer, on va dire, beaucoup d'incohérences scénaristiques, parce que à force de vouloir mettre dans un film, dans un jeu vidéo, c'est la même chose dans une série télé, un personnage de telle couleur, de telle orientation sexuelle, de telle religion, de telle tendance, de tel ceci, de tel cela, de tel machin, de tel truc, on va se retrouver un jour, et c'est d'ailleurs le cas à Hollywood, où ils ont des algorithmes en fait qui leur produisent des scénarios types avec les représentations qu'ils font pour faire des succès au box-office, etc. Et au final, on n'aura plus de création, on n'aura plus de ligne artistique, parce qu'on aura fait des films où on remplit des cases. On prend, voilà, une feuille, il y a des cases à cocher, on les coche, une fois qu'on a coché, on estime qu'on a fait un film. Mais un film, un jeu vidéo ou une série télévisée, comme un livre, ça répond à d'autres logiques, ça répond à une inspiration, ça répond à une imagination, ça ne répond pas, entre guillemets, à un espèce de calendrier ou un cahier des charges, on va dire les choses comme ça, où il faut cocher telle ou telle case, etc. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de se poser quand même la question. Et encore une fois, le monde réel n'est pas un safe place de Twitter. Et ça, il faut quand même vraiment le tenir pour acquis, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas transposer, surtout dans un contexte historique très particulier, les idées d'une société contemporaine du XXIe siècle, évidemment au XIXe ou même au début du XXe siècle. C'est quelque chose qui est absolument impossible. Il faut quand même là-dessus savoir raison garder. En plus, la Warner Bros. Games et les studios Avalanche ont d'ores et déjà annoncé qu'on pourrait personnaliser son personnage et lui donner peut-être, pourquoi pas effectivement, un caractère neutre ou mal genré ou que ceci ou que cela. Bon, bref, il y aura tout un tas d'autres paramètres, entre guillemets, de modélisation de son personnage qui ont été intégrés justement pour répondre aux premières critiques, comme quoi c'était transphobe qu'on puisse choisir qu'un garçon ou qu'une fille, etc. Bon, bref, ça déjà en soi, c'est déjà, entre guillemets, presque trop de laisser à une petite communauté qui s'excite sur les réseaux sociaux pour éviter toutes les emmerdes. Mais bon, ça, c'est encore un autre problème. Après, un jeu vidéo, c'est fait pour être joué, on s'est pas fait, entre guillemets, pour représenter notre personnage. Enfin, concrètement, nous, on est des énormes gamers, c'est pas parce qu'on adore jouer à Zelda ou Assassin's Creed qu'on se prend pour Ezio Auditore ou pour Link, hein. À un moment donné, faut savoir aussi distinguer le réel et le virtuel, ce que les réseaux sociaux aujourd'hui ne permettent pas nécessairement, et c'est aussi là le véritable problème et le véritable enjeu, entre guillemets, de la création artistique du XXIe siècle, où finalement aujourd'hui on demande plus une représentation quasi complète et totale de toutes les échelles de la société, sans voilà, réussir finalement aussi à rentrer dans des logiques un petit peu plus concentrées sur ce qu'est le plaisir de jouer et rien d'autre. Après, on pourrait faire des mille et un reproches, enfin, ça, c'est, si vous voulez, c'est un sujet qui est absolument sans fin. On pourrait dire, bah oui, mais il n'y a pas de personne en situation de handicap, on n'a pas vu de fauteuil roulant dans le gameplay. Et alors que, bah, on sait par exemple qu'en France, on compte entre 6 et 7 millions de personnes en situation de handicap. Alors, certains avec des handicaps visibles, beaucoup avec des handicaps invisibles, et ça, pourtant, on ne voit pas sur le gameplay. Donc, voir ces gars-ci, c'est pour le coup très très grave.
Bah oui, on pourrait aller vraiment dans ce délire-là, on pourrait continuer très très loin finalement avec ça, on pourrait aussi dire, ah bah oui, mais ils nous font voler sur des balais dans le gameplay, alors que certains ont le vertige, donc du coup, bah c'est pas respecter leur choix, parce que bah ils vont se retrouver dans des situations où ils risquent effectivement d'avoir le vertige, même s'ils se trouvent par exemple sur des endroits en hauteur. Moi-même qui ai le vertige, ça m'arrive dans certains jeux vidéo, bah je pourrais très bien dire que c'est pas bien. C'est pareil quand on dit, ah bah oui, mais on met pas d'araignée dans un jeu vidéo parce qu'il y a l'arachnophobie, alors on peut cliquer sur un menu pour que en réalité ça représente voilà une espèce de bulle plastique etc. au milieu de l'écran pour pas qu'on voit les araignées. Bon, c'est ok, très bien, moi j'aime pas du tout les serpents, je suis un phobique des serpents, mais à un moment donné bon voilà, Serpentard c'est Serpentard, le basilic c'est basilic, bon c'est voilà, on se raisonne 3 minutes et ça va mieux après. Mais c'est si vous voulez, le problème c'est qu'aujourd'hui voilà, on est parti finalement dans cette espèce de catégorie, dans cette espèce de monde catégorisé qui bah, finalement va venir aujourd'hui avoir un impact sur toute la création. Et aujourd'hui, voilà, quand on a un appel à boycott sur ce genre de truc, enfin, ça pose quand même véritablement question sur ce que les gens attendent d'un jeu, d'un film ou d'un livre. Parce que le processus, malheureusement, aujourd'hui est le même en termes créatifs un petit peu partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on coche des cases, mais on n'écrit plus, on ne pense plus, on n'imagine plus. Et ça, pour le coup, nous, c'est quelque chose véritablement qu'on regrette beaucoup. Enfin, le troisième truc au sujet de ce boycott, c'est évidemment par rapport aux propos de J.K. Rowling. On s'est déjà expliqué sur le sujet, on vous a dit qu'on soutiendrait toujours et encore J.K. Rowling dans ses déclarations et dans sa posture. Après, on n'oblige personne à être d'accord avec nous, tant qu'il y a du respect, finalement, et qu'on n'arrive pas à des débats qui sont complètement hystériques, dans lesquels on part sur des questions de boycott, etc. Parce que, encore une fois, c'est une toute petite minorité qui appelle au boycott, et au final, ça en parle, ça en parle, ça en parle, et ça fait tache d'huile. Et cette tache d'huile, en fait, bah, c'est aujourd'hui, malheureusement, ce qui conduit bah, parfois la Warner à faire des choix qui ne sont pas forcément les choix que voudraient les fans. On l'a vu, par exemple, avec l'affaire Johnny Depp sur la question des crimes de Grindelwald, parce qu'il faut aussi se rappeler quand même la manière dont se sont passées la sortie des crimes de Grindelwald. Il ne faut jamais l'oublier, parce que pour nous, c'est vraiment, entre guillemets, un marqueur très puissant des dérives que la société d'aujourd'hui amène. Il faut se souvenir qu'on était en pleine vague, entre guillemets, MeToo, qui était une vague on ne peut plus légitime et extrêmement importante, et que dans ce cadre-là, Johnny Depp a été visé par toutes les accusations de violence à l'encontre de son ex-conjointe Amber Heard. Alors, évidemment, dans cette période qui était une période quand même très propice finalement à la vindicte populaire, il faut se souvenir que beaucoup d'associations, et d'ailleurs vous pouvez retrouver dans le journal Le Monde, avaient signé une tribune, et notamment beaucoup de fans de Harry Potter et du monde magique, ainsi qu'un certain nombre d'influenceurs spécialisés là-dedans, avaient signé une tribune en disant « on ne veut plus de Johnny Depp et on boycotte les crimes de Grindelwald, etc. Il y avait eu des appels au boycott sur les réseaux sociaux qui étaient peut-être un petit peu moins puissants mais qui étaient déjà quand même sacrément puissants à l'époque. Et évidemment, bah, ce mouvement-là avait fait tache d'huile. Il y avait eu des manifestations à Paris, il y avait eu des manifestations à Londres. Johnny Depp n'avait pas pu sortir à Paris de sa chambre d'hôtel parce que c'était trop compliqué et trop risqué. À Londres, ça avait été fait au cordeau avec une sécurité absolument démentielle. Bon, ça devenait absolument insoutenable. Et derrière, la réaction qui a été celle de la Warner, c'était de dire on conserve Johnny Depp tant qu'il n'est pas déclaré coupable, parce qu'en réalité, la Warner n'avait pas d'autre choix que de s'en débarrasser. On sait que J.K. Rowling là-dessus avait mis cette clause-là pour essayer de sauver Johnny Depp, donc de bol il a été condamné, donc il a dû partir. Mais il faut se souvenir que même si aujourd'hui les fans hurlent en disant bah oui mais ils ont supprimé Johnny Depp, etc., malheureusement c'est les fans qui ont demandé le départ de Johnny Depp. Et ça, vous voyez, c'est la grosse problématique et qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'une décision qu'on prend un jour, bah on peut la regretter le lendemain. Alors après, nous, encore une fois, on est persuadé que Mads Mikkelsen fera parfaitement l'affaire en galère Grindelwald. Mais c'est pas tellement le sujet. Le sujet, c'est que finalement, aujourd'hui, on voit bien que des appels au boycott peuvent produire finalement de grosses problématiques. On sait que les crimes de Grindelwald ont contre-performé, on dit bien contre-performé par rapport aux autres films, puisque ça a été 633 millions de dollars de revenus uniquement sur les entrées, ce qui est déjà absolument titanesque, d'autant plus que c'est une année où il y avait quand même une concurrence assez folle avec pas mal de films à gros budget et des blockbusters Marvel. Donc bon, c'était quand même pas si mal que ça, et le film a été largement rentabilisé au-delà du milliard avec les produits dérivés, les diffusions, les DVD, les Blu-ray, etc., etc. Donc voilà, ça a été un vrai succès financier, mais ça a été une petite contre-performance économique lié justement à tous ces appels au boycott. Et à un moment donné, bah faut arrêter, parce que quand on dit « Ah ouais, j'aime trop Harry Potter, j'aime trop les animaux fantastiques, ah ouais, c'est trop bien, il me tente d'aller voir les studios à Londres, mais par contre j'appelle au boycott des Secrets de Dumbledore, j'irai pas le voir, je le téléchargerai », bah franchement, pardon, mais c'est une incohérence absolument complète et totale.
parce qu'en plus, bon, si c'est pour télécharger et détruire l'emploi, bah, de toutes les personnes qui travaillent sur un film, parce que concrètement, c'est pas les acteurs le problème. Les acteurs, ils ont, voilà, Jude Law, bon, il perd son rôle dans Les Animaux Fantastiques parce qu'on fait pas le 4 ou le 5, c'est pas une catastrophe, il a du boulot par-dessus les oreilles, il retrouvera ses contrats sans problème. Par contre, nous, on pense aux techniciens qui sont derrière, on pense aux maquilleuses, on pense aux coiffeurs, on pense aux décorateurs, on pense aux électriciens, aux charpentiers, on pense à ceux qui fabriquent les props, les répliques, etc. On pense à tous ces gens-là et toute cette industrie finalement qui est derrière, où des fois vous avez 15 000 personnes qui travaillent sur un film et qui vont se retrouver en fait être victimes de déchaînements sur les réseaux sociaux à cause d'un tweet, à cause d'une phrase, parce que voilà, et parce que les gens préfèrent aller télécharger un film qui malheureusement bah, prête forcément atteinte et porte forcément atteinte à l'industrie du cinéma. Et bon, c'est quand même un peu décevant. Voilà, nous là-dessus on est de manière très très claire. Le boycott n'a absolument aucun sens. Si on aime un truc, mais arrêtons de vivre dans un univers où il faudrait que tout soit blanc, que tout soit noir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, à un moment donné, il faut aussi savoir avoir des œillères entre guillemets enlevées pour avoir une vision un peu à 180 degrés des choses, et puis surtout arrêter de se faire entre guillemets matrixer par les réseaux sociaux, parce que malheureusement c'est souvent le cas. Les gens se font matrixer, ils lisent les messages, et puis vas-y, je te fabrique un petit carré sur Instagram pour te dire la vérité qu'il faut que tu aies dans la tête, et si tu ne penses pas pareil, bah, c'est que tu n'es pas quelqu'un de bien. Non, c'est pas ça. La liberté de penser, c'est peut-être la liberté la plus fondamentale qu'a tout homme et qu'a toute femme dans sa vie. Cette liberté de penser, personne ne peut vous l'enlever et personne n'a le droit de dire ce que vous devez penser ou ne pas penser. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec J.K. Rowling et d'aimer Harry Potter. Vous avez le droit d'être d'accord avec J.K. Rowling et d'aimer Harry Potter. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec J.K. Rowling et de ne pas aimer Harry Potter. Enfin, tout le monde a le droit de tout. Il n'y a pas de difficulté. Maintenant, après, faut pas non plus s'enfermer entre guillemets dans des cases et s'enfermer parce que l'opinion publique vous dira: ah oui, t'aimes J.K. Rowling, ah ouais, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux. Hein. Non, ça, stop, stop. C'est pas comme ça que le monde doit fonctionner. Nous, on a reçu mais plein de messages en DM de gens qui disent, voilà, se sentir très malheureux du fait de la situation actuelle, parce qu'ils n'osent plus dire finalement bah, qu'ils aiment Harry Potter, ils n'osent plus dire bah, qu'ils soutiennent J.K. Rowling parce qu'ils ont peur voilà, de se faire harceler, d'avoir des problèmes avec des camarades de classe, etc., etc. Enfin, non, n'ayez pas peur. Enfin, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, parce que, encore une fois, à partir du moment où vous n'appelez pas au meurtre de qui que ce soit ou que vous cassez toutes les opinions, enfin, elles sont bonnes à prendre. C'est voilà, enfin, ne tombez pas dans le piège qui est celui des réseaux sociaux, qui encore une fois ne représente absolument personne. Quand vous voyez 10 000 tweets sur un sujet, 10 000 tweets sur un sujet, il y en a 300 qui ressortent qui sont négatifs, il y en a 9 000, plus de 9 000 qui ressortent qui sont positifs, on garde les 300 négatifs, on dit ah bah oui, ça fait polémique. Alors qu'en réalité, tout ça, finalement, bah, c'est juste des toutes petites communautés qui sont juste derrière, qui sont entretenues, entre guillemets, voilà, c'est un effet d'entraînement qui va très très rapidement. Mais ce n'est pas la vérité universelle. Encore une fois, Twitter, c'est pas la population, c'est pas l'opinion publique, c'est Twitter, c'est voilà, une case, comme Instagram est une case, comme Facebook est une case, comme Google est une phase. Enfin, bref, tous les réseaux sociaux, c'est voilà, c'est juste une case, il n'y a rien d'autre. Il n'y a vraiment rien d'autre. Donc là-dessus, il faut vraiment que chacun puisse se sentir libre, parce que nous, à chaque fois qu'on reçoit des messages de vous, et en plus, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a tous les âges, ça va de la jeune adolescente de 12 ans qui est au collège jusqu'à l'adulte de 45 ans, qui nous disent, voilà, pour nous, c'est une période qui est très dure, mais rêvez vos rêves comme vous avez envie de les rêver, et ne vous laissez pas imposer par les réseaux sociaux quoi que ce soit. D'ailleurs, pas plus que par nous-mêmes, hein. Nous, on vous donne notre vérité, on vous donne notre avis, notre manière de percevoir les choses. Vous n'êtes pas obligé d'y souscrire et on ne vous obligera jamais à y souscrire tant que le débat peut s'établir sur des bases tout à fait saines. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qui est très important. Mais surtout, ne vous laissez pas, entre guillemets, endoctriner par une dynamique sur les réseaux sociaux qui, en réalité, n'est pas une dynamique, mais est juste une éruption cutanée. Voilà, c'est comme un bouton d'acné, c'est moche, ça fait mal, c'est pas beau. Et puis, bah, finalement, voilà, on réussit toujours à un moment ou à un autre à passer au-dessus. Voilà, donc c'est tout ce qu'on voulait vous dire pour cette vidéo. Mais en tout cas, nous, on continuera évidemment à faire et la promotion des Secrets de Dumbledore et la promotion des Hogwarts Legacy. On se retrouve donc dès
profiter de cette semaine pour faire tout un tas de points sur les nouveautés, les nouvelles informations, etc., etc. On a plein de choses à voir sur les secrets de Dumbledore et également sur Hogwarts Legacy. Donc on va essayer de vous faire des vidéos assez intéressantes sur le sujet, puisque en plus vous nous avez posé des questions qui nous ont vachement inspirés. Donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, et d'ici là, soyez vous-même et soyez libre de penser, parce qu'au final,